L'honorable Ayatollah Ouzma Khamenei, guide suprême de la révolution islamique, se référant lors de sa rencontre avec le président sénégalais Abdoulaye Wade à l'importance que revêtent les questions du monde de l'islam en parallèle avec les relations bilatérales entre les pays musulmans, indiquait que les pays musulmans dotés d'énormes potentiels humains et de moyens géographiques remarquables forment une identité immense et une vérité indéniable, identité que personne ne pourra ignorer en cas de son émergence sur la scène. Le guide suprême de la révolution islamique a ensuite fait allusion à la place du président sénégalais Abdoulaye Wade en tant que président en exercice de l'OCI pour ajouter que pour rapprocher davantage les pays membres de cette organisation, on devrait œuvrer pour renforcer cette instance sur le plan politique et renforcer son aspect islamique. L'Ayatollah Ouzma Khamenei a rappelé que tous les pays islamiques devaient resserrer l'étau autour d'Israël soutenu par les États-Unis. M. Wade a de son côté évoqué les relations au beau fixe Téhéran-Dakar pour réitérer « L'Iran bénéficie de bonnes capacités sur les plans de l'éducation, des infrastructures et du pétrole. Nous souhaitons parvenir durant cette visite à des accords dans le sens du renforcement des relations irano-sénégalaises. »